Eh bien, salutations tout le monde, c'est N27 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Lord of the Fallen pour continuer donc cette zone, une petite zone secondaire. Et il a l'air plutôt sympathique, donc le vestige chevalier Moui. Et là avec la petite brume et le petit orage, je trouve l'ambiance plutôt, plutôt pas mal. J'avais un type hier qui était là, ouais il est toujours. Et lui, on l'a eu et il a pop à un endroit. Quand on l'a tué, il était plus là. Bon là je me doutais que là il était pas trop chiant, il allait revenir. Ouais, c'est logique. Ouais. Toujours attendre 10 minutes qu'il nous donne les items. En tout cas, ça sent la zone de boss. Enfin, en tout cas, ça sent un boss. Oh, le fils de pute. Il est où? Il est là-bas au fond. C'est qui lui? J'ai pas trop à voir l'ennemi que c'est. Ok, il me lance des lances. Avec un bouclier. Ah, ok, c'est l'ancien boss, je vois. Que j'ai affronté juste avant. De venir le boss d'hier, un boss d'hier était assez chiante parce qu'elle nous mettait des zones de prison, mais bon, on l'a buté facilement du premier try. Ah, j'ai oublié qu'il balançait. Casse les couilles un peu. Là, hop, elle a refait sa prison. Elle va être chiante, elle va commencer à se taper dans tous les sens. Vas-y, arrête-toi. Nique ta mère. T'as bien niqué ta mère. Portable. Cette grosse folle. Bon, on va pouvoir fouiller la zone. On va continuer à fouiller la zone. On peut passer par là-bas aussi. J'imagine que ça va être un raccourci. Regardez qu'il n'y a rien quand même dans l'autre monde. Ce serait con de louper un bon item. Y a pas, on dirait pas qu'il y ait quelque chose. Ok, bon. Y a pas trop le choix, on va devoir passer par là, je pense. Ni de zioter. Il y a quand même un étage. On va passer par là-bas, on pourra descendre après. Là-haut. Quelle ambiance, moi je l'aime bien. Bien l'ambiance. Oh, attendez. Là, tu vas devoir rentrer par là plutôt. Ah, c'est ça. Regardez d'un côté. For this kingdom, but the whole
Bon, il y a un accès dans la bibliothèque, bon, le choix va falloir que je passe par là-bas. Déjà on a vu qu'il y avait un ennemi là-bas, une boule en tout cas. Là, il y a lui là. Tu vas pas me faire chier comme d'habitude, si possible. Agréable. Quoi, il m'a visé? Putain, mais arrête de me viser ça, putain de timer là. Mais oh là là, ce jeu, ah, ça commence. Ok, ça. On va le tirer, je pense. Arrête, putain, mais ça aussi, le bouton de saut, c'est le même bouton pour interagir avec un peu tout. Les gars, je vais pas vous mentir. Du coup, je vais baiser parce que ils m'ont fait chier quoi. Donc forcément. Hein. Alors pourquoi la plateforme là c'est pas déclenché? Putain, t'es mort aussi. Putain, ça me commence à me casser les couilles là. Et en plus de ça, t'as 400 mobs qui pop à la chaîne. Et allez, qu'il faut que tu retournes dans l'autre sens. Tu prends, tu tires, allez, maintenant tu reviens. Et allez, tu te fais enculer par tout ce qui bouge. C'est génial. Qu'est-ce qu'on s'amuse là, se faire lyncher par tout le quartier. Qui est fait que repop. Ok, du coup tu peux pas faire ce que tu veux. C'est bon, enfin tu t'es tiré. Bon, c'est pas comme si je l'avais fait 300 fois hein, ce truc. Un petit peu quand même. Je vous jure, tout ça pour ça, tu sais. Et j'ai perdu 35 minutes parce que le jeu, bah, il avait pas envie. Incroyable. Ok, là, les deux, ils vont s'énerver. Enfin, il y en a un des deux. C'est sûr, je le sens pas. Tu vois? Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? T'étais sûr? T'étais sûr? Putain! Keblo, je suis Keblo, ça me saoule. Ah c'est bon, vous êtes morts tous les deux là, arrêtez-vous. Vous êtes tous les deux, je vous ai tués. Arrêtez de faire genre. Merci.
J'aimerais bien leur niquer leur armure à eux, parce que je la trouve pas mal. C'est bien parce que j'entends des bruits. Là c'est un peu les couilles les gars, je vais pas vous mentir. Vous me faites chier. Un petit peu, hein, mais vous me faites chier. Voilà, au moins c'est dit. Ah, j'ai plus de mana. Ah, vas-y, niquez vos mères. Il allait bien vous faire enculer en fait. Allez vite, on va essayer de tuer l'autre. Faut que lui se raise. Bah tu sais pas où il est. Encore ici. J'ai appuyé deux fois sur la roulade. Arrête de courir, putain, je vais recharger mon truc là. Ça me gave. Hein. Il manque que je me déverrouille le raccourci en bas là. Par où je dois aller pour le prendre. J'ai rien vu. Pas vu par où je dois aller pour descendre. Donc ça saoule un petit peu. Passer par là, mais ah bah non, même pas. Même pas. ouais, non, là ça, je sais pas, je vois rien du tout. Là, faut que je fasse, donc, hein. Ok, bah j'ai pas le choix. Hein. Ça commence. Il y en a deux en plus pour le plus grand des plaisirs. Quand je vois pas du tout où je dois passer pour continuer. Je vois pas. Bah, franchement, j'en ai aucune idée. Ça sert à quoi d'ouvrir ici si. Tu vois, vas-y, je vais redescendre, je vais voir. Mais bon. Mais bon. Oh, y'a rien. Ah si. Je peux débloquer la porte maintenant. Ok.
Bon, t'as compris, hein. t'as compris la zone là. Ça va être sympathique. Le problème c'est que. Vas-y, nique, hein, tant pis, on va y aller. Même si j'ai plus trop de soins et tout. Sûr, il y a des connards là qui vont sortir. Voilà, c'était sûr. T'es sûr. Fort possible aussi qu'on ait un boss ou un truc du genre aussi, pas loin. Et il avait quoi là? Je regarde, normalement je vois rien d'autre. Et vous faire foutre. Allez bien vous faire foutre. Bon, en tout cas j'ai mon petit checkpoint et là je pense que j'ai un boss. Bon, vu que j'ai le checkpoint, on est nickel. C'est bon, je peux. Oh, chiant. Hein. Oh, très très chiant. Allez, venez, suivez-moi. Suivez-moi, vous êtes contents, vous faites chier tout le monde. Vous êtes chez votre petit monde, vous vous sentez intéressant. C'est bien. Sauvegarder et se faire le boss tranquille. Insupportable. Bon ben let's go. Child, you will know peace. Je sais pas si c'est toi ou moi qu'on connaîtra la paix, mais il y en a un de nous deux. Je sens que le jeu continue à accrocher, ça me saoule. Est-ce qu'elle va me sortir là comme coup? Putain, j'aurais dû le faire en avant. Mon build en D 4 ça. Ouais bon par contre le truc au sol et pendant que tu te relèves tu te reprends les flèches. Détends-toi quoi. En fait, tu veux pas me. Quand je me relève, tu sais, tu te prends tout dans la gueule. Qu'est-ce que. Je passe ma vie à esquiver ses coups. Ah, mais c'est bon, t'as fini ça. Putain, on se croirait dans Left of Pilot, le boss de fin quoi. Le truc, tu passes ton temps à esquiver et tu peux jamais taper. Bon, t'as fini.
ta mère. C'est bon? Ah non, non, elle a décidé, hein. Là elle a décidé, je te tue. Saut était en train de l'éclater, tu sais. Qu'est-ce que c'est génial, encore un boss à 35 parties, qu'est-ce que j'adore ça. Typiquement, le truc que je supporte pas dans tous les jeux, c'est ça. C'est ça, en fait c'est le truc que je déteste le plus dans les jeux, c'est ça. Tu tues, je suis plus fort, je reviens, nique vos mères en fait. Si je t'ai tué, je t'ai tué, arrête. Moi ça me rend fou en fait ces machins. C'est vraiment insupportable, je trouve. Du coup, ah bah j'ai pas mon XP, pas propre. Prends pas les dégâts, ça me gave. Prends pas les dégâts, ça me gave. Bon, attends, je vais faire mes âmes. Non. Enfin, je viens de claquer un truc pour me soigner. Et yeah.
c'était une blague. Bien parce que j'esquive, il se passerait zubi encore. Ça, celle-là, tu peux pas l'esquiver, s'il vous plaît. Tu peux rien faire, j'appuie. Bon, c'est fini ou? Ah, combien en fait? Y'a combien de trucs qui tombent là? Bagabé elle. Je suis toujours trop court pour la taper. Ah, je la fais pas. Hein. Je la fais pas. Insupportable. Target trop, tu peux pas la taper. Franchement, je vais faire appel à un type. Je m'en bats les couilles, c'est la première fois, mais je vais demander à un type de venir m'aider. Casse les couilles en fait. Vraiment. Tu peux pas la taper. Tu peux pas la taper. Je passe ma vie à l'esquiver. Je passe ma vie à l'esquiver. Qu'est-ce que tu veux faire? J'esquive tous ses coups. J'esquive. Je me prends tous ses coups et j'essaie de les esquiver. Qu'est-ce que tu veux faire? Essaye, hein, mais bon. Trop court surtout. Tous mes coups ils sont trop courts. Chiant. Chiant, chiant, chiant. Ah.
Chat. Tu peux pas la taper? Qu'est-ce que tu veux faire? Bon, t'es mort cette fois. J'ai dû utiliser 400 trucs de soins pour la tuer. Elle était infernale. Infernale. Sans déconner. Rien. On va se couper le bras pour durer. Ok. Et donc rien faire quoi, à part attendre agoniser. Remonter ou quoi, parce que bon, pas trop ce que je vais faire là, mais je vois pas trop d'issue. Je vois pas trop d'issue. Donc bon, là je vois pas trop ce que je dois faire en fait. Hein. L'entendre agoniser, elle. Voyez quoi. Je fais quoi. Voilà, bah te dire tranche le bras, blablabla. Ma foi. Ah là peut-être, j'avais pas vu, mais là ouais, je crois que je peux passer. Ouais. Passer par là. J'étais en train de me dire, putain, je vais où en fait. Putain, tout ce que j'ai dû niquer, putain, les gros fragments et putain. Ça m'énerve un peu. T'es chiante quand même. T'es bien chiante. Tac, on va améliorer le perso. La rendre en brasier. Voyager en ville.
On reviendra ici au cas où, je vais aller voir si elle est morte ou pas après. Ou même s'il y a le collègue qui était là avant, vous voyez. S'il a pop là-bas. Ah yes, je peux EP. Niveau 8. Je sais pas s'il y a 9 levels ou pas. En tout cas, j'ai suivi proche, si c'est le cas. Prochain 3. On faut 3 charges 8 100%. Je pense que c'est plus 9 le max. Hein. Merci Pieta. Go laguer chez l'autre. Alors est-ce que t'as des nouveaux trucs non. Est-ce que j'ai des nouveaux nails non plus. Est-ce que j'ai un ciseau? Je ne pense pas. On va acheter les trucs chez elle. Agilité et radiance. J'ai quoi comme build moi? Force et brasier. Est-ce que j'ai trouvé une arme? Non, toujours pas. Non. Agilité et radiance. Force, agilité, radiance, brasier. Bon, ben encore un truc. Voilà. T'as compris. C'est bon, ça rend fou. Ça me rend fou. Javelot, bannière corrompue, bannière de guerre lancée ou vient dans le sol, inflige. Et ça, c'est un sort de feu. Par contre, son sort de feu m'intéresse. Regarde que j'ai tout acheté pour l'instant. Oui, à part eux, mais bon, eux, je les ai déjà achetés. C'est juste avec la mise à jour qu'ils ont fait que ça a tout bugué. J'ai tout chez eux. Bon, par contre, j'ai acheté la bannière. On va voir si je peux pas la donner à l'autre. Il faudrait que je retourne voir l'autre. C'est pour ça que j'espère qu'il va pop à côté. Justement. On va quand même regarder. Après les deux autres là-bas, là, des serviteurs. Qu'est-ce qu'il a lui? Donner la tablette unique. Pourquoi je peux mettre deux... Non, toujours pas. Améliorer l'équipement, j'en ai 18. Hein. Je pourrais la monter au max, hein, cette arme. Mais à quoi bon? Parce que c'est pas mon arme que je veux. C'est pas l'arme que je veux utiliser finalement, quoi. Ça, c'est une arme par dépit. C'est l'arme du début du jeu. Je me suis dit, voilà, je vais prendre cette arme parce que j'ai un bon feeling avec. Et c'est clairement... Ça, c'est pas mon build. Donc, quel intérêt, vous voyez. Ils sont passés où les deux bougres là? Eh bien, il reste que le chien. Alors attendez. Ça j'ai toujours zéro, je sais pas ce que c'est. Les matos. Du coup je les vois pas là, attendez. Faut peut-être que je retourne dans l'autre monde pour les voir. Bon ça m'étonnerait mais... Mais bon. On va voir. Je pense qu'ils sont partis à la recherche de l'autre. Si l'autre allait rester comme ça en mode agonisé, c'est sûr. Faut que je parte et que je revienne pour que eux ils pop, vous voyez. C'est sûr. C'est sûr et certain. Je vais y retourner. Mon avis, ils sont tous là-bas, à côté de l'autre. Selon moi, c'est ça. En tout cas, ils sont pas là-bas directement, ils seront dans la zone, c'est sûr. Ah, pour moi, ils sont là, quoi, c'est sûr. Je vois pas l'intérêt sinon de la laisser elle en vie comme ça, là, en train d'agoniser. Si elle est pas là, ça veut dire faut que je retrouve les autres. Si je dois retrouver les autres, enfin l'autre en tout cas.
s'il est à son ancien endroit. Faut que je me rappelle de l'endroit où il est quoi. On va s'amuser. Faut que je réfléchisse. J'ai pas vu ça. Cette grenade améliorée. Bon. On va retourner au début. Et bon, la vie a des gains. On va avoir des gains, mais je vais me faire pougner par lui, ça va être incroyable. Faut que je me rappelle de là où j'ai. Ah bah c'est bon, en fait, je m'en rappelle de là où je l'ai trouvé l'autre. Je me rappelle. Donc, si je fais. Alors, voyage. Ça serait là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est là. Ah, je prends, je tire tout droit. Je skip les trucs. Ouais, moi je crois que je dois m'en rappeler. Ah si, c'est bon. S'il est toujours là-bas, je me rappelle du chemin. On va skip tous ces connards. Elle, le kleps. Ah, hop, allez, tous nous faire enculer. Là, l'autre là-bas. Pareil, il va aller se faire foutre la grosse folle, allez fouette-toi. Voilà, et au lieu de passer tout droit, là je repasse par la gauche. Hop, et je vais cacher à l'étage, il était là-bas avant. Donc, hop, on va aller voir ça tout de suite. Il est toujours ici. Il est plus ici. Ah. Ben, du coup, s'il est plus là, putain de ta race, il est où cet enculé? Il est où s'il est plus ici? Putain de merde quoi. Qui il est passé où ce bâtard? Fais chier. Je sais pas où il s'est calé. Oh merde, je vais vous mentir. Ça m'emmerde un peu de pas savoir où il est maintenant quoi, parce qu'il était là avant. Il y est plus. S'il est pas là-bas, j'en ai aucune idée en fait. J'en ai aucune idée d'où il peut être. Avant, je l'avais croisé un petit peu plus bas dans la ville, avant de venir ici. J'ai toujours essayé de retourner voir, hein, mais. Je vois pas l'intérêt. Donc ouais. Je sais pas. S'il est pas là-bas, bah c'est sûr qu'il sera pas là-bas. Hein. Je vois pas l'intérêt de le remettre au début de la zone. Ici, la première fois qu'on l'a croisé, elle était ici. Donc, ouais, ça me sonne un peu.
Ça me saoule un peu. Du coup. Bon, bah tant pis, hein. On va faire autre chose. Hein. Et on verra bien. Si on le recroise un jour. Je vois pas, franchement, je vois pas où il peut être. Vraiment. Donc, bah, je vais faire l'autre zone secondaire hein, et puis peut-être je le recroiserai, mais bah, ça me paraît bizarre. Ouais. Tant pis. Tant pis, tant pis. La zone qui me reste à faire, c'est celle-ci maintenant. Donc j'ai fait la zone de glace. Ça c'est la, on va dire la principale que je dois continuer. J'ai fait celle-ci qui m'a mené ici, ici. Et maintenant il faut que je fasse celle-là. J'espère le recroiser ici et on verra bien. Quelle petite zone de merde hein, celle-là aussi donc. On va avancer un petit peu dans cette zone et on verra. Pour la suite. Je regarde que j'ai toujours pas une arme avec force et brasier. Hein. En gros cette arme mais en épée. Ah, toujours pas d'épée, force et brasier. La seule arme où j'ai force et brasier, c'est une. Oh, tiens j'ai une masse. Un marteau. Est-ce que ça m'intéresse pas vraiment? C'est que j'ai une grosse hache, celle-ci. Ça m'intéresse pas du tout. Je veux une épée avec force et brasier. Et j'en ai aucune. Il y en a pas. Faut croire qu'il n'y en a pas dans le jeu. Voilà. Donc bah c'est chiant, hein, évidemment. On va voir un peu la dégaine de celle-là. Elle est jolie, hein. Elle est jolie. Mais bon. Force, agilité, radiance, brasier. Bon, ce qui paraît, il y a une glyphe qui permet de mettre tout à zéro, mais bon. J'ai même pas envie de jouer avec ça, quoi. D'ailleurs, est-ce que je l'ai cette glyphe? Mon pote qui m'a dit qu'il avait cette glyphe. D'ailleurs, j'ai toujours pas testé le sort, faut que je regarde. La glyphe en question, elle est où? Est-ce que je l'ai, moi? C'est un petit peu le bordel, là, faudrait que... Bon, du coup... Hop, le sort... Le sort, c'est quoi? C'est celui-là. 52 en coup. Si je me trompe pas, c'est celui-là. Hein. On va voir. L'air naze un peu. Allez hop. L'air d'un grand sort. Allez hop. Vire-moi ça de là. Il y avait ça qui était pas mal, mais ça bouffe trop de mana. On continue, vous voyez, c'est en gros tu craches des flammes, je l'ai testé dans la précédente vidéo si vous voulez voir. Mais bon. Alors, en vrai, rien de mieux que ça. Voilà. Oh, mais... ça fait le job. Ah, vas-y, c'est génial. Tu loques le truc. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a les autres qui vont venir me casser les couilles? Ça serait bien que non, hein. Ah si, bon vas-y, nique ta mère.
J'aime bien me faire enculer. Me saoule cette zone. Donc. Allez, on trace. On trace. C'est bon. Hop. Ah, génial. Génial. Je kiffe cette zone. Hein. Elle est vraiment pas chiante. Hein. C'est un vrai petit plaisir de la faire. Je vous jure, elle est insupportable. Ils ont tous des boucliers, des machins. Je vous jure, elle me gave. Elle me gave, mais au plus haut point. Vous imaginez même pas à quel point cette zone, elle me saoule en fait. Voyez un petit peu la zone de merde que c'est. Vous comprenez pourquoi j'avais pas envie de la faire. Oh là, et le jeu que tu sais qui t'en. Qui te. T'arrives jamais à viser ce que tu veux. Cette zone, à chaque fois que j'y vais, j'ai envie de. De fracasser quelqu'un. Elle m'insupporte cette zone. C'est un truc de fou. Tous les ennemis, ils ont un truc là pour les. Tu peux pas les tuer. Ils ont tout ça. 400 archers, t'as des clébards, t'as les machins, t'as. Oh là là, mais cette zone, c'est vraiment un truc de connard. Hein. Vivement que je stoppe un checkpoint là, que j'ai plus à la faire là, cette zone de merde. Le pire là, la dernière fois aussi, c'est quand j'avais l'autre qui m'avait envahi pendant que. Oh là là, putain. Oh, pétain. Regardez-moi ça. Ils ont tous ça. Mon dieu. Ah mais vous voyez le délire. Vous voyez cette zone comment elle est insupportable. Me fout le démon au plus haut point. Allez, monsieur, je me soigne plus que ce que je fais, les gars. Bon. C'est pire, donc. Vas-y. À la balle. Meurs. Voilà. Pourquoi tu me vises lui? Tu vois pas que j'ai un clébard juste devant? Comme si j'avais pas que trop le bouclier. Voilà. Regardez toutes les potions. Allez. Oh. Ah. Ensuite, par la zone là-bas. Ok, un dialogue. Un dialogue, un souvenir. On va voir un ennemi, genre de boss, arène. Voilà.
c'est pas marrant aussi. Hein. D'accord. Ouais, non mais vas-y. Hein. Le truc qui... Non mais il s'arrête jamais le machin en fait. Ah parce que j'ai pas le mana infini moi. Même le mana tendu. Bon, ça ni ton truc là qui dure 3 jours. Un truc de fou. Le machin, il target à moi. Et puis le mec, il fait que se soigner aussi, je pense, ça me baiser. Santé. Le truc cul. Non mais. J'appuie sur les trucs qui disent pas ça. Jamais je peux te... Ah mais la vie qui se rajoute le mec. Voilà. Là, j'ai plus de pain, il va me tuer, hein. Je peux pas le tuer. Et que soigner le mec. Et que se soigner. C'est insupportable ça. Sans déconner, mais... Regardez la vie qui se rajoute à chaque fois. Franchement. Vous avez vu la vie qui se rajoute le mec? Ah mais attendez, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous voyez la vie que le mec il se rajoute? Ah c'est bon quoi, au bout d'un moment, on va le tuer moi le bonhomme. Hein. M'insupporte-le. Je laisse tomber mes âmes, hein, de toute manière. Allez, lag. Ah, d'accord, maintenant il fait des dégâts de...
Ah, j'ai ton truc qui me connaît. Intuable. 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 Ce truc là qui peut que tomber là en orage là, mais... Ah, je récupère mon rendu. C'est le truc que je peux pas récupérer. D'accord, je suis à l'autre. De l'autre côté. Rien faire. Je peux rien faire. Je peux rien faire. C'est... Il subit. On sait subir. Je le tue comment, moi, lui, en fait? Regardez-moi ça. Regardez-moi. Dingue, hein. Dingue, dingue, dingue. Ah, tu suis. Ok, j'ai eu un gros gros lag, famille. Portable. Insupportable, hein, vraiment. Ça me casse les... Ah, cette zone, elle me casse les couilles. Elle me casse les couilles, cette zone. Tellement que ça fait une heure que j'ai le micro, il est moitié tombé, tout en roulant autour d'un fil, tellement. Génial, le mec il se rajoute plus de vie que ce que je lui fais de dégâts. là là. Ok, je voulais le finir, j'ai pas pu. Bah, je vais crever. Hein. Je vais crever, hein. Du coup. Bah ouais. Hein. Je me suis fait voler. Je me suis bien fait voler. Hein. Ah, c'était beau. Dans les règles de l'art. Allez. Ah ouais, franchement, propre le vol. Belle qualité.
franchement, le vol, il était quali, mais j'ai jamais vu un vol comme ça. D'un côté, tu appuies pour lui faire le coup des stocks, mais non, j'ai la clinique ta mère. La li la la. Bon. Moi je peux pas. Bah, il a bugué, mais c'est génial, tant mieux. J'étais genre au-dessus de lui. Insupportable. Regardez-moi maintenant là-bas. Tous les connards de Clébar et tout qui m'attendent pour me niquer. Ah, elle à travers les murs maintenant, t'sais. Ah oui, mais bien propre, franchement propre le jeu. J'ai envie de tout cacher dans ce... Cette zone, elle me stresse cette zone, putain. Ah, je l'ai dit, hein, cette zone, elle me... Quand je vais la finir, je vais être l'homme le plus heureux du monde. Du coup, j'ai perdu à peu près... Donc là, j'ai perdu 7000, là, je vais pas récupérer mes 5000 et quelques, ou 6000, parce que bah, c'est impossible de les récupérer, hein. Y a tout le quartier qui t'en veut. Donc du coup, on va skip tout, jusqu'à ce que je puisse mettre une barrière. Vous voyez ? Ils vont tous aller se faire mettre. Voilà. Jusqu'à ce que je vienne ici. Là, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire? Alors attendez ça. Voilà. Il y a deux fils de pute ici. Là, il y a deux connards là. Ça lag à mort. Trop d'ennemis dans le cul. Hop. Je suis Keblo après, hein. je peux pas bouger, hein, je vous le dis. Si je pouvais pas monter, enfin si le jeu voulait pas que je monte, je pouvais rien faire. J'étais Keblo là-dedans. Je pouvais strictement rien faire. Ça lag un peu. Ah, ça lag un peu. Ça lag beaucoup, mais... pas où je suis exactement, mais ce que j'aurais regardé, c'est y a pas un chemin ici. Non. Bon, à go descendre. Hein. J'espère qu'on va se trouver un truc pour. Sauvegarder. Genre de petit checkpoint, quoi, petit feu que nous on invoque là. Bon, j'en ai 5 en plus. Regardez-moi ça, ça commence. Allez, ben non, tu peux pas. Voilà. Il est bien le jeu. T'as le truc là-bas. Allez, en plus j'ai un fils de pute qui arrive et ça me fait laguer à mort.
Mais cette zone, mais cette zone. Cette zone, je vous jure. Oh putain, qu'est-ce que ça m'énerve. Qu'est-ce qu'elle m'énerve cette zone. Je me prends des dégâts de je sais pas d'où. C'est quoi qui est en train de m'enculer comme ça. Je peux pas me soigner. Je peux plus me soigner. Je peux pas me soigner. Je peux pas me soigner. J'ai un fils de pute qui me suit, je peux pas me soigner, je... Ouais, bah c'est bon, vas-y. Bon. J'ai envie de tout casser. Je suis sûr, c'est l'autre là qui a le sort et qui m'envoie ça dans la gueule et qui est je sais pas où. C'est sûr. Sûr et certain. Sûr, c'est le fils de pute qui m'envahit, qui me balance ça dans la gueule. Et depuis quand tu peux plus te soigner aussi quand il y a un mec qui t'envahit. J'en ai marre. J'en ai marre. Mais vous pouvez même pas imaginer à quel point j'en ai marre. Ah tiens, mais fais pour ta gueule. Perte de connexion. Tiens, je suis mécontent de ça. Pas mécontent de ça. C'est bon quoi. Mes couilles, hein. Franchement, mes couilles. Hein. Bref, et qu'est-ce qu'il y a ici maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Je vois un genre de... une genre de zone derrière, mais... Ok, ici. Terrible d'avoir un putain de parterre de fleurs pas loin aussi. Histoire d'être bien. Putain, me dis pas que c'est cette zone en fait. C'est là où je crois, je rigole. On en a tout l'air en plus. Na tout. Ouais c'est ça, c'est exactement ça, ok d'accord. Tant mieux. Tant mieux, on se rappelle de cette zone. En gros j'étais juste ici. C'est là où j'ai affronté Pieta au tout début du jeu. Vous voyez. Bon. Bah du coup j'ai fini cette zone à la con là, de merde là, cette zone de fils de pute que je... J'allais tout casser à chaque fois parce que j'en avais plein les couilles. Donc du coup, ça voudrait dire, je dis pas de bêtises, que j'ai clean toutes les zones secondaires du jeu actuellement. Donc il me reste... Putain, quand t'es là toi. You, with all the assistance I've given you so far. It's time you return the favor and do something for me. I was minding my own business up above when I was attacked by some barbarian with a hammer, more animal than man. He fled when he saw he was no match for me, but only now do I realize I must have dropped my book of lineage during the fight. I won't have proof of my birthright lying disrespected in the dirt somewhere. Find it and bring it back to me.
Je l'ai pas déjà. Bon, tu me parles un peu mieux quand même. Bon, pas mécontent d'avoir fait cette zone au final, on va dire. Parce que vous imaginez même pas à quel point me stressait et elle m'énervait au plus haut point. Et en plus, à chaque fois, tu te faisais envahir pour un fils de pute. Mec, ils ont que ça à foutre de venir te casser les couilles. Ça représente bien un petit peu le monde. Hein. Les gens, ils sont pas contents s'ils viennent pas te casser les couilles à quelqu'un dans la journée, quoi. Donc, bah, je suis bien content de... que cette zone est terminée. D'ailleurs, il y a un truc là-bas, j'avais même pas capté que j'avais pas ramassé un truc là-bas. Bon, c'est pas très grave, on s'en bat les couilles, je crois que c'est juste un item de quelqu'un. Je voulais juste revoir si le PNJ revenait ici ou pas, en fait. Mais au final, non. Bon. Bah écoutez. On n'a plus qu'à continuer la zone principale, on va dire. Je vais finir de regarder quand même ici. Jamais. Mais non, ils sont pas revenus. Je les recroiserai bien un tout ou tard, je pense. Hop, alors du coup, ça nous fait voyager. Putain, je suis bien content d'avoir fini cette zone de fils de pute. On aura stressé, mais d'une force. Plus jamais j'y mets les pieds là-bas. Du coup, c'est censé être ici. La zone que je dois continuer. On va se taper là-bas. Et dans la prochaine vidéo, ben, on va continuer cette zone du coup. Voilà. Mais normalement cette zone, les ennemis, tu leur mets un coup, ils meurent. C'était le cas jusqu'à présent, donc. On va voir. C'est toujours le cas. Bon, on va donc arrêter la vidéo là-dessus. J'espère qu'elle vous aura bien plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner à la chaîne. Comme d'habitude, dans la description, vous retrouverez mon Instagram ainsi que ma chaîne secondaire, qui est une chaîne automobile que je fais avec mon ami. Les vidéos sont disponibles en 4K. Et pour faire un petit teasing de ce qu'on a posté actuellement comme vidéo, il y a de la BMW M2, de l'Honda S2000, de la Nissan 370Z, de la Porsche 911 GT3 992 et plein d'autres choses qui arriveront par la suite. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil dans la description si vous aimez l'automobile. Et nous on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo, c'est N27. Allez, ciao tout le monde, bye.